Bienvenue sur le plateau de la Space TV par Web Agri. Nous sommes à Rennes, nous sommes au Space, en conditions un petit peu particulières cette année. Ceci dit, je suis accompagné de Julien Claudon. Julien, donc, tu es responsable produit chez Crone France. Et aujourd'hui, vous venez de recevoir une distinction pour un système que vous appelez, je crois, la béquille dynamique Crone. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est ce système ? Effectivement, on a reçu donc un prix pour cette béquille dynamique Crone qui équipe les faneuses Crone et qui a la particularité en fait de revêtir deux aspects pour les clients utilisateurs, un aspect sécuritaire d'abord et un aspect pratique. Au niveau de la sécurité, ça permet d'abord de dételer la machine en position verticale sur trois pieds, donc deux pieds à l'avant, un pied à l'arrière, donc qui nous permet d'avoir une très bonne stabilité. D'autre part, ça permet de sécuriser au moment du dételage également pour avoir une machine très stable, quelles que soient les conditions. Donc c'est vraiment un gros plus au niveau de la sécurité. Et ensuite, au niveau pratique, cette béquille, elle est particulièrement intéressante, ou en tout cas le concept de la béquille dynamique est particulièrement intéressant, puisque durant la période de remisage, de dételage en hiver, la faneuse ne va plus porter sur ses roues, mais va porter sur ses trois pieds. Donc au moment de la reprise, on ne va plus avoir de risque de problème de panne, de crevaison, de pneus qui sont craquelés. Donc c'est vraiment un plus en termes de stabilité, de sécurité. Et vous savez que vous pouvez repartir pour une nouvelle saison serein. Donc si je comprends bien, un système qui permet donc un stockage en sécurité, préservation du matériel. Est-ce que tu peux nous dire sur quel modèle est-ce que ce système va être décliné ? Alors on retrouve cette béquille hein, qui a été brevetée par Crone sur la nouvelle famille des faneuses Crone, les faneuses Vendro, qui sont déclinées en deux gammes. La Vendro de 4,60 m à 11,20 m, mais également la Vendro Highland de 4,60 m jusqu'à 8,20 m. Et ça, deux séries sur tous nos modèles. Bien. Alors, cette année, Crone fait coup double aux InnoSpace. Rémi Chenevière, donc toi, tu es responsable marketing chez Crone France. Vous avez donc reçu aujourd'hui un deuxième InnoSpace concernant donc le chariot à filet EasyNet. En quoi est-ce que c'est une innovation, pardon ? Oui, tout à fait. Donc, on célèbre bien les 25 ans des InnoSpace puisqu'on reçoit un deuxième InnoSpace avec le chariot EasyNet Crone. Donc, en fait, le chariot EasyNet est intégré sur une gamme de presse à balles rondes qui vient compléter notre gamme déjà très complète. Ce sont les modèles Varipack et Varipack Plus. Ce sont des modèles à courroie. Donc les ingénieurs Crone ont planché sur ces modèles-là en pensant bien sûr haute densité et haut débit au travail, mais également sur le confort pour l'utilisateur. Et ils ont notamment fait un constat intéressant et important dans nos campagnes aujourd'hui, c'est le poids porté par un opérateur de filet. Un rouleau de filet pèse 40 kg. Ils ont donc développé un chariot spécialement étudié sur le côté de la machine qui permet de porter un filet, de le déplier manuellement très simplement, et de ne plus avoir à porter le rouleau de filet, mais à le pousser en direction de la machine pour le placer au-dessus de la chambre et faciliter grandement cette opération sans fatigue, mais également avec une grande sécurité, puisque l'opérateur n'a plus besoin de monter sur une échelle ou autre en hauteur avec un rouleau de filet sur l'épaule ou à bout de bras. Donc il se fatigue beaucoup moins, il travaille également plus vite sur la journée. Alors, on n'imagine pas toujours ce que peut représenter justement le poids des rouleaux de filet qui sont manipulés par l'éleveur. Vous parlez, je crois, de plus d'une tonne par saison de manipulation. D'où est-ce que vous sortez ces chiffres ? Alors oui, on a fait une étude un peu franco-française pour également argumenter cet InnoSpace. Comme je le disais, un rouleau de 3600 mètres, ce qui est assez commun en France, pèse une quarantaine de kilos. En sachant que sur une année, voilà, en France, on presse assez, dans la moyenne le plus souvent, des bottes d'1m80. Donc ce chiffre-là nous amène à consommer, on va dire, à peu près 3 rouleaux par jour. Donc sur une année, on arrive en cumul à plus d'une tonne portée à bout de bras, en sachant qu'un éleveur ou une éleveuse a bien sûr d'autres travaux à faire dans la journée. Voilà, que ce soit les travaux d'élevage, les travaux des champs, etc., etc. Donc, si on peut réduire la fatigue, c'est évidemment un argument très fort dans une journée de travail. Alors, finalement, c'est des innovations qui peuvent sembler toutes simples. Où est-ce que Crone va puiser ses idées ? Alors là, c'est le côté produit qui parle. Hein.
On a un bureau d'études avec des ingénieurs qui sont situés en Allemagne, plus de 300 ingénieurs aujourd'hui, et qui ont la chance et finalement tout l'intérêt d'avoir ce bureau d'études, c'est qu'ils vont sur le terrain. On répond à des problématiques concrètes, quelles que soient les gammes de produits. On a plus de 210 modèles dans notre gamme. Et pour ceux qui connaissent déjà un peu nos produits, dans chacune des familles de nos produits, on a des choses concrètes qui répondent à des solutions, qui apportent un plus en termes de confort, de sécurité, de qualité de travail également. Mais c'est vraiment le terrain. Nos ingénieurs vont sur le terrain. Il y a des retours clients qui sont vraiment intéressants, des études clients pour justement sortir et proposer quelque chose qui réponde vraiment aux besoins de nos clients utilisateurs. Et être reconnu aux InnoSpace, finalement, qu'est-ce que ça apporte pour Krone, ce prix ? Bah, très clairement, déjà, c'est une reconnaissance pour le travail des ingénieurs et des employés Krone en général. Voilà, c'est un savoir-faire depuis 1906, comme le disait Julien, c'est la préoccupation de l'utilisateur. Et bien sûr, bah, ça nous apporte de la visibilité pour promouvoir les innovations, le temps passé, et voilà, ce qui va apporter forcément un plus aux gens qui seront amenés à utiliser ces machines. Et c'est bien eux les premiers utilisateurs, donc ça compte énormément pour nous. Bien, merci à tous les deux pour toutes ces informations. Merci. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver prochainement sur WebAgri pour d'autres reportages et pourquoi pas pour tester le matériel.